Nous sommes le 25 août, nous avons survécu 11 jours, il est 6h47 du matin, 48, il fait 27,9 degrés et nous sommes toujours sur Stranded Deep. Salut tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la suite de Stranded Deep avec Marie-Madeleine. Eh ouais, je sais pas où est-ce qu'elle est, mais elle doit pas être loin. Oh tiens, regardons, il y a ses copines qui sont par là, c'est qu'elle est pas loin. À mon avis, elle a dû rester sur le radeau, cette coquine. Attends, soit sur le radeau, soit dans mon inventaire. Ah bah elle est là, tiens mon vieux. Alors, tu dis pas bonjour? Tiens, dis bonjour un petit peu là. Eh bah voilà, regardez comment qu'il est beau notre radeau là. Il est pas de toute beauté mon vieux? Hein? Alors, il est magnifique, il est là. La dernière fois on s'était laissé, on avait fait le radeau de compétition. Alors c'est pas encore le radeau de compétition, parce que le radeau de compétition, bah il a un moteur. Et puis nous on n'a pas encore de moteur. Mais ça ne devrait tarder, t'inquiète, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il faut d'ailleurs pour faire un moteur? Attends, ça se trouve je peux en faire un moteur. Déjà, je vais regarder ma vie et tout, bon bah ça va, tranquille. Ma petite base se porte bien, impeccable, ça c'est parfait. Il est quelle heure? Oh bah 8h moins le quart, bon tranquillement. Tranquillement, tranquillement, le soleil se lève tout doucement. Impeccable. Bon bah Marie-Madeleine, viens là. Alors vous savez que il y a beaucoup de personnes qui m'ont fendu le cœur dans les commentaires. Énormément de personnes m'ont fendu le cœur dans les commentaires. Ouais. Hein? Tu sais pas ce qui se raconte sur toi, ma vieille? Hein? Paraîtrait-il que t'es morte? Alors, j'ai eu beaucoup de messages comme ça dans les commentaires. Vous savez que ça reste là. Ouais, ouais. Hein? Marie-Madeleine, elle est pas morte. Vous êtes tous des menteurs, ceux qui disent ça. Non. Non. Marie-Madeleine n'est pas morte. Non. Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas, vous êtes des menteurs. Marie-Madeleine n'est pas morte. Non. Regarde comment qu'elle se porte bien, mon vieux. Vas-y, montre-leur là que tu vas bien là. Alors, hein? Regardez ça. Vous avez déjà vu une mouette voler comme ça, toi? Alors, oh mec, elle est vivante. Non mais, hein, que t'es vivante, il raconte des conneries, mon vieux. Regarde, regarde ça. Regarde ça comment qu'elle vole, mon vieux. Elle tient l'équilibre parfaitement. Tiens, hop là. Alors, va pas dans le feu, ma vieille. Reste là. Voilà, elle est pas morte du tout. Alors, tiens, je vais te poser sur le rocher. Voilà, tu vois, regarde donc mon vieux comment qu'elle est bien là. Hein? Par contre, il y a plein de gentilles personnes qui m'ont dit de te passer le bonjour et m'ont dit de te faire une petite bise. Alors, je vais te faire une petite bise. Voilà, bise Marie-Madeleine. Merci à vous, ça fait plaisir. Alors, je voulais aussi tous vous remercier pour le retour sur la série. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci vraiment à tous, ça fait plaisir. Je vois que la série vous plaît, donc moi ça me fait super plaisir. Et franchement, je passe que du bon temps sur Stranded Deep, donc tout va bien. Et j'avais pas ramené Ah yes, j'avais ramené ça, effectivement. Tu vois, avec ça on peut faire un radeau aussi, mon vieux. Hein? Et là, on fera peut-être un radeau pour Marie-Madeleine, va savoir. Alors vous avez été pas mal à me donner des conseils aussi. Notamment que si je prenais le seau comme ça, parce qu'à chaque fois je me fais chier à faire 15 km dans la mer pour le remplir. Mais apparemment, si je fais ça, que je le lâche comme ça, et que je le reprends, et ben il est rempli. Effectivement, tu vois. Effectivement il est rempli, bah je ne savais pas. Et bah merci pour l'astuce, parce que là franchement vous venez de me faire gagner 15 km pour chaque aller-retour. C'est un truc de malade. Donc on avait dit que ça fait de l'eau, ça c'est tranquille. On avait dit que je me ferais bien un petit moteur. Donc ouais. Viens ici ma vieille. Ouais, t'occupe pas, t'es bien mieux avec moi. Alors, hein? Regarde là comment qu'elle est heureuse comme tout mon vieux, hein. Ah, des gens qui disent que... Des gens qui disent que je joue avec un cadavre de mouette, mais vous êtes cinglé, ouais. Vous êtes malade, hein. Attends. Mon vieux. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça, je vais en choper une, mon vieux, là. Il y en a pas une qui s'est perdue quelque part, là? Hein? Regardez, regardez, ça s'est posé là-bas. Regardez, ça s'est posé. Je te ramène une petite soeur, Marie-Madeleine. À chaque fois, je dis ça. Et à chaque fois, il se barre. À chaque fois. C'est toujours la même chose. La même rengaine à chaque fois. Bon, très bien. Il y a quelqu'un aussi qui m'a dit gentiment dans les commentaires. Et c'est vrai que c'est pas bête parce que j'y ai pas forcément pensé. Il m'a dit, mais Jolat, tu sais que tu pourrais mettre ta lanterne en hauteur? Tu la verrais mieux. Et bah effectivement c'est pas bête. Alors la personne qui m'a dit ça, tu te reconnaîtras. Et bah merci à toi, ça fait très plaisir parce que c'est une bonne astuce. Et ouais, genre mettre la lanterne comme ça en hauteur. C'est pas bête en fait.
Allez, bah. Attends. Attends. Oh, le bon délire, mon vieux. Regardez. Regardez, je vais essayer de la mettre en hauteur. Voilà, on va essayer de la mettre comme ça. Et bah voilà, c'est vrai que c'est pas bête si je la laissais là. Après tout. Hein? Je parle, mais on a toujours pas fait de moteur. J'ai bien envie de faire un moteur. Donc, où est-ce qu'il est, mon moteur? Et bah j'en ai un sur moi, mon vieux. Est-ce qu'il y a moyen de faire un moteur avec tout ça? Tac, propulsion. Qu'est-ce qui me manque? Engine canister. Je pense qu'il va falloir en trouver un, tout simplement. Ah, ça, voyait un petit machin comme ça. J'ai bien envie d'en crafter un, ça. Ouais. Ça me parle bien, un petit feu de camp comme ça, là. Hein? Pour améliorer un petit peu la base, là. Ouais. Ouh, bah c'est... ça, c'est bon, attendez. Je vais prendre ça. Donne-moi l'eau purifiée. Voilà. Ça, je vais le poser ici. Attendez. Je vais mettre l'eau purifiée. Non. L'eau purifiée, je vais le mettre à côté de la base. Comme ça, je saurai que c'est purifié. Voilà. Ça, c'est de l'eau purifiée. Ça, donne. On va le mettre là. On va prendre le plein. Voilà. Le plein, on va le mettre là. Et le vide, on va le mettre là. Impeccable. Nickel. Là-bas, j'ai mon eau purifiée. Est-ce que j'ai soif? Ouais, j'ai soif. Ben, on va boire à godet, hein, tranquillement. Oh, bah, j'ai plus soif, mon vieux. Impeccable. Alors, voilà. Comme ça. Eh, c'est pas mal, franchement. Voilà. Là, j'ai la technique. Hop, tac. Ça, c'est rempli. Ah, ça, c'est super, la technique que vous m'avez donnée, franchement, sur ce coup-là. Ça gère carrément. C'est un truc de malade parce que c'est trop pratique, en fait. Ici. Ça. T'inquiète. On va faire les réserves. Bougez pas. Alors, attendez. On va poser les seaux là. Impeccable. Eh, on est organisé quand même, là. Là, franchement, on est super organisé. T'inquiète. Oh putain, vas-y, arrête. Par contre, c'est le bordel sur mon camp, mon vieux. Ça a toujours pas changé, ça. Ça, on laisse ça ici. Putain, c'est dommage que je peux pas me faire. J'ai cru entendre un bruit. On devient parano sur les îles comme ça, c'est un truc de malade. L'air tank, je vais le garder. Machette, je vais le garder. Le couteau, je vais le laisser là. Très bien. Ok, parfait. Il est quelle heure? Putain, mon vieux, il est 15h30. J'ai passé la journée sur le camp à un peu arranger tout ça. En fait, j'ai pas spécialement arrangé grand chose, mais bon. Bon, allez, Marie-Madeleine, en route. Non, pas ça, j'en veux pas ça. Voilà, en route, Marie-Madeleine. Et là, je peux vous dire qu'on va pouvoir aller explorer un peu. Ouh, bah attendez. Ça, par contre, je vais ranger ça là-bas. Hop, voilà, impeccable. Ça, je peux vous dire qu'on va pouvoir aller explorer les îles plus rapidement depuis qu'on a le bateau à voile. Parce que franchement, il est bien plus rapide. Et ça va être un truc de fou quand on va avoir le bateau à moteur, ça va être encore mieux, quoi. Allez, hop. Ça, on va mettre ça à la flotte. Et bah, on va partir explorer tranquillement. Hein? Alors, c'est parti. Allez, let's go. Oh putain, attendez. Je vais faire une petite marche arrière. Tu t'accroches, Marie-Madeleine? Ouais, s'accroche, c'est bon, impeccable. Allez, on est parti, go en exploration. Et je peux vous dire que ça va être un truc de malade parce que là, on n'a pas de boussole. Ouh, regardez, il y a une île là-bas. J'ai bien envie d'aller, pas celle avec le rocher, je sais qu'on y a déjà été. Par contre, il y a encore une île là-bas, derrière celle avec le rocher. Il me semble, hein, j'ai cru en voir une au loin. À moins que c'était un mirage. Regardez, si, si, il y en a encore derrière et tout. Et je peux vous dire qu'on va pouvoir aller bien plus vite maintenant avec le radeau... J'allais dire le radeau à moteur, mais on l'a toujours pas. Avec le radeau à voile. Voilà, mon vieux, vers l'infini et l'au-delà, c'est parti, là. Oh, putain, ça commence déjà à faire nuit, là. Il est quelle heure? Oh, presque 17h, mon vieux. Ah ouais, ça passe vite, hein. Ouais, faudra pas que j'oublie que mon île, elle est là-bas, moi. Ouais. Ah, bah, regardez. Il y a mon radeau jaune, ici, aussi. Ouais, ça, faudra pas que j'oublie. Bon, bah, ici, on a déjà fouillé, de toute façon. On va plutôt aller explorer encore plus loin. Vous voyez? Ouais, je suis déjà venu ici. T'inquiète. Je les ai déjà fouillés, tous les bateaux et tout, là. Il n'y a plus rien à fouiller. Oh, c'est quoi ça, là-bas? C'est des bugs. Ouais. Bon, eh ben, on va aller sur celle-là. Et là-bas, par contre, c'est de l'exploration totale. Là-bas, on n'a jamais été. Oh, bah, là-bas non plus. Et puis là-bas non plus, d'ailleurs. Bah, en fait, il y a des îles un peu partout. Hein. Je vais essayer de voir si on trouve pas des épaves en même temps. Ce serait pas mal. Regardez, il y a une île là, une île là-bas, une là-bas encore. Il y en a un peu partout. Hein. On va d'abord partir explorer celle-là, je pense. Là, regardez, on est arrivé là. Donc, faudra que je me dise que je retourne sur l'île avec le rocher et que c'est en face de celle avec le rocher.
Ok, d'accord. Oh, regardez, il n'y a pas une épave là-bas? À moins que... Non, j'ai l'impression que c'est un bout d'épave. Bon, écoutez, on va s'arrêter ici. Putain, elle a l'air toute petite, Lily, ici. Hein. Oh là là, ça a l'air tout petit. Mais attendez, ça a l'air tout petit, mais ça veut pas dire qu'on va pas trouver des choses intéressantes. Donc, on va s'arrêter ici. Putain, je vois rien, mon vieux. On va allumer la lampe torche. Voilà. Ça, hop là, viens ici. Voilà. Marie-Madeleine, qu'est-ce que tu fais? Je te laisse le radeau? Tu fais attention aux voleurs? Je ferme ma clé toujours. On sait jamais. Voilà. Donc, on va fouiller un petit peu cette île. Regardez. Une bâche. Des cailloux. Écoutez, on va ramasser. Pour l'instant, on va ramasser tout ce qu'on voit. Mais si je vois des trucs plus intéressants, je ramasse. Des seaux, ouais. Ouh, il y a encore une île là-bas. Une petite île là. On va faire le tour de celle-ci. Tranquillement. Ça. Un crabe, ça peut nous permettre de manger. On va le tuer. Viens ici. Saloperie. Alors. Putain, il veut pas crever, mon vieux. Ça fait 50 coups de machette que j'y donne là. Mais il est résistant, mon vieux. T'as vu ça? Bon, c'est peut-être pas la machette qu'on tue un crabe. C'est peut-être avec ma lance. Bah, je l'ai laissé sur l'île. Ça! On va détruire tout ça là. Bon! Ah, ça, je prends. Ça, c'est bon. Saloperie, va, putain. Vas-y, je vais la laisser tranquille. Je vais la laisser. Putain, saloperie. Dégage, elle est où? Elle est où? Ah, putain, elle est là. Vous voyez, elle est là. Regardez. Putain, bah arrête toi! Comment c'est bugué, mon vieux? Elle m'a eu à travers l'arbre. N'importe quoi. Alors, bon, mais t'es sérieux, toi? Putain, lâche-moi. Regardez, elle est là-bas. Regardez-la. Hein? Alors, regardez comment qu'elle se met en position d'attaque, là. Hein? Saloperie, va. Ouais, ouais. Allez, on va se casser de là, tranquille. Pas spécialement grand-chose d'intéressant, franchement, sur cette île. On va aller voir là-bas. Bon, on a ramassé... qu'est-ce qu'on a ramassé d'intéressant? Un seau, une bâche, un fruit. Ouais, j'espère qu'il y a des épaves autour. Ah, regardez, il y a encore une bâche là-bas. Il y a une bâche... Du bois, cailloux, seau, ok, ça c'est plutôt cool, ouais, la bâche je prends, ça je prends, ça je prends, putain je suis déjà quasiment plein, ça ouais, ok d'accord, on est plein là, ouais mais attendez, si je trouve autre chose de plus intéressant, je vous ai dit, hein, je lâche des trucs, hein. Ok, bon bah pas spécialement grand chose d'intéressant au final sur cette île. Ce que je vais faire, pour dire qu'on est passé ici, t'inquiète, regarde. Je vais faire un petit feu de camp, voilà. Tranquille, ça voudra dire qu'on est déjà passé ici. Ça veut dire que si je reviens et que si je vois un petit débris de bois, ben on est déjà passé par ici, tu vois. C'est plutôt cool, oh merde, putain Marie-Madeleine. Désolé, je roule dessus avec le radeau. J'ai pas fait exprès ma vieille, viens ici. Voilà, mets-toi bien tranquillement. Voilà, impeccable. Ok, donc. Ah bah putain, c'est pareil ça. Voilà. Donc, où est-ce qu'on va partir d'autre? Attends, putain, il y a tellement de trucs. Enfin, tellement de trucs. Je vois une île là-bas, en fait. Je pense qu'on va aller sur celle-là, là-bas. Allez, vas-y, c'est parti. Let's go sur celle-là, là-bas. C'est parti. Oh, regardez ça. Il y a l'air d'avoir une épave, ici. Ouais. Écoutez, on va plonger, tranquillement. Et si je trouve des trucs intéressants... Si je trouve des trucs intéressants, je virerai un peu. Je virerai un peu d'autres trucs. Putain, y'a rien. Attendez, je vais remonter. Oh putain, ça va super vite de se noyer, c'est un truc de fou. Je vais prendre l'air tank quand même sur moi. Non, toi, dégage, putain, il va me filer des boutons, lui. Ça. Ok. Y'a pas l'air spécialement d'avoir grand chose ici. Attendez. On n'est pas déjà venu ici? Putain, je crois qu'on est déjà venu. Elle me dit quelque chose, cette épave. Hein? Ouais. Attendez. Je veux en être sûr. Vas-y, ouvre là. Ouais, y a rien ici. Y a rien.
Y'a que dalle. Vas-y, on remonte. On remonte, on se casse, on se casse, on se casse. Ouais. Oh putain, j'ai pas vu un aileron de requin là. Je vais vite remonter. Est-ce que je suis déjà venu sur cette île? Pourtant, ça me dit rien. C'est bizarre. Mais c'est pareil, hein, des fois, toutes les épaves se ressemblent. Attends, regardez. Y'a un truc là. Ouh, petit pistolet à fusée. Tranquille. Pistolet de détresse. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Dans la console, il y a quoi? Carburateur? Ah merde, je suis plein. Bah, je suis plein. Bah, écoutez. Écoutez, on va virer un tronc comme ça. Ouais, les troncs, hein, vas-y. On va tous les virer, les troncs, parce qu'au pire, on en aura d'autres. C'est quoi ça? De la morphine, ça c'est bien. Ça c'est pas mal, c'est de l'antidouleur. Je vais faire un peu. Ah bah c'est pas vrai ça, vas-y. Voilà. Je vais faire un peu le tour. Il y a une échelle. Oh. Alors, tu grimpes pas aux échelles, vieux? Bah alors. Oh, il y a un requin. Il y a un requin, putain. Attendez. Il y a une porte. Yes. Oh yes. Oh, c'est ce qui nous manquait. Excellent. Oh là, nickel là. Excursion au top. Attendez, parce que faut pas que le requin il nous bouffe, hein. Il est où notre radeau? Oh, on a trouvé une boussole. Trop fort. Ça c'est excellent. Putain, regardez, il est là. Ouais. Oh, c'est quoi? C'est un requin tigre ça, ou je sais pas. Oh, excellent, trop fort la boussole, putain. Ah, c'est génial ça. Ça. Vas-y, je vire. Je vais prendre l'air tank. Mon radeau, putain, il s'est retourné. Mon radeau, il est en train de se barrer. Mon radeau, c'est quoi ce gros bug? Putain. Vas-y, monte. Vas-y. Je vais retourner là-bas. Oh putain, lui, il va me faire chier, lui. Lui, il va m'emmerder. Ça va être un truc de fou. Attendez, je vais essayer de me mettre dans le bon sens. Voilà, la porte elle est en bas. Vas-y, c'est pas... Non! J'ai plongé en plein sur le requin. Je voudrais bien essayer d'économiser mon air tank par contre. Voilà. Disons que je voudrais bien l'économiser le plus possible. Est-ce qu'il y a encore un coffre ici? Non, on a tout fouillé. Ok, on a tout fouillé. Je vais refaire un petit tour d'horizon vite fait. Mais oh, attendez. Ouais, je l'ai fouillé celui-là. Ok, on a tout fouillé, on se casse de là. Franchement là, GG là. Dégage toi le requin là. Oh là, on s'est mis bien là. On a chopé une petite boussole. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Petite île là-bas avec le feu de camp, ok. Parce que faut que je me repère, hein. Faut pas quand même qu'on oublie l'île principale. Parce que là on est quand même parti pour un périple. Je vous explique même pas quoi. Là on est parti à l'aventure carrément. C'est un truc de malade. Ok, parfait, nickel. Tac. Marie-Madeleine, je te laisse les commandes. C'est toi qui gères, vas-y. T'inquiète. Chauve-souris. Il y a pas mal de personnes aussi qui m'ont dit Jolate, tu devrais prendre une petite chauve-souris pour Marie-Madeleine. Une chauve-souris pour Marie-Madeleine? T'es malade. Ils vont se battre, mon vieux. Ils vont pas s'entendre. Bah ouais, direct. Qu'est-ce qu'il y a ici? Une bâche, je prends. Bâche, je prends. Ça c'est cool. Encore une bâche, je prends. Bon, on se met plutôt bien, franchement, j'ai envie de dire là. Attendez, je vais faire gaffe parce que j'aimerais pas me faire bouffer par une vipère. Wow, on est fatigué, hein. On est vachement fatigué. Là-bas, il y a un fruit, je prends. Ah, vos gueules, mon dieu! Putain, c'est pas vrai ça. Alors, hein? Ils sont tout en train de brailler, mon vieux. Il n'y avait pas une petite île sur cette île? Ouais, c'est un peu bizarre ce que je raconte, mais j'ai cru voir une petite île sur cette île. Non? Au moins que j'y rêvais. Oh! Alors, c'est fini, oui? Ça doit être là-bas, à mon avis, que j'ai vu ça. Ouais, je pense. On va aller voir ici. Tranquillement. Ah, regardez. Regardez. Je me disais bien que j'avais vu une petite île.
Mon radeau, il est... C'est quoi ce gros carré jaune, là? Attendez, on va aller voir. C'est quoi ce carré jaune? Hein? C'est des bugs? Ah, c'est un bug. Il y avait du ficus, là. Ok, d'accord. Bon, on va aller voir sur la petite île là-bas, là. Je sais même plus où j'ai foutu mon radeau. Bah, de toute façon, l'île, elle est pas bien grande. On va le retrouver. On va y aller à pied, tranquillement, voir ce qui se passe là-bas. Ah, regardez, il y a de la tôle, là. De la tôle. Oh, des bouées. D'accord. Je crois qu'on a atteint la limite de la map. Et voyez, avant ça, sur Stranded Deep, il n'y avait pas de limite de map. C'était tout le temps... enfin, il n'y avait pas de limite de map. Oui et non, en fait. Si vous voulez, dès que vous sortez de la limite de map, vous réapparaissiez de l'autre côté. Je sais pas si vous me comprenez, c'était un carré, c'était pareil que ça. Sauf qu'il n'y avait pas les bouées. Par exemple, là, si j'avançais, eh ben, je réapparaissais de l'autre côté de la map. Je m'explique assez mal, je sais pas trop si vous aurez compris. Mais c'est bizarre parce que j'arrive à passer à travers les bouées. Donc ça se trouve, ça fait comme avant. Ça fait comme avant, sauf que là, c'est délimité. Très bien, on va retourner sur l'île là-bas, tranquillement. Marie-Madeleine, viens avec moi. Putain, le soleil commence à se lever carrément. C'est un truc de malade. On va se faire un petit feu de camp, tranquillement. Oh là là, regardez le soleil, là, il commence à se lever. Petit feu de camp, tac. Vas-y, fais péter, tac. On va le mettre là, tac. Marie-Madeleine, viens te réchauffer un petit peu auprès du feu. Tu l'as bien mérité, va. Bon, bah franchement, très bonne excursion, là. On a chopé la boussole, on a chopé de la morphine, le flingue et tout. Franchement, bonne excursion. Oh, regardez, excellent, quoi, la boussole et tout. Ça déchire. En tout cas, on va vous laisser ici pour cet épisode. Oui, je dis on parce que je suis avec Marie-Madeleine. Eh ouais. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, pourquoi pas la partager. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye.